Coucou les filles, coucou les garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va. Comme on dit aux Antilles, commesse, commesse, commesse. Donc là j'ai décidé de faire un shampoing des nattes que j'avais dans mes cheveux que j'ai retiré pour les récupérer avec le shampoing de Lady Cosette qu'elle m'avait donné. Là, je défais mes nattes naturelles pour pouvoir faire une décoloration en mode crépule of parent à la one again. Donc voilà, je sais que c'est des bêtises, je sais que c'est des conneries, mais on y va. Donc cette petite vidéo, c'est juste pour histoire de que vous voyez ma routine, comment je fais, comment je galère. Voilà. Donc je vous laisse tranquillement avec la vidéo. Si t'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Gros bisous. N'oublie pas d'activer la cloche. Donc comme vous voyez les enfants, mes cheveux ont beaucoup grandi. Donc voilà. Ok. Pareil pour derrière. Donc je vais teindre mes cheveux. Daniel, vous voyez les pouces. My goddess. On va recommencer. Donc, je vais faire ça en caméra et je vous dis à tout à l'heure. Donc je mets ça avant, ça évite que ça bouche le trou avec la farine. Et après vous cassez la tête. Donc là, je vais jeter tout ça. Danger, danger. J'ai toujours aussi la trouille de faire ça. C'est parti. On commence par derrière. Ici.
Je ne sais pas si c'est par le devant qu'il faut commencer. On va commencer par là. Donc normalement, il ne faut pas faire les bouts. Il faut faire que le fond. Oh, ça sent mauvais. J'ai fermé la porte, je vais ouvrir. On ne sait jamais si quelque chose m'arrive, que Nanou, soit elle a facilité d'entrer. Oh, c'est lourd. Je regarde quelle heure il est pour voir. 18h25. My God. Ma phobie, c'est de lever un autre trop blonde. Ça, c'est pas trop mon top. Là, c'est une décoloration, c'est pas une teinture. J'ai vraiment pas envie de devenir blonde. De toute manière, si j'arrive blonde, j'ai du rouge quelque part dans mes valises, dans les cartons, j'ai pris le rouge. Donc, dis-moi ce que vous en pensez. Franchement, les enfants, c'est pas bien. Je vous le dis et je vous le redis. C'est pas bien pour les cheveux. Mais moi, je m'en fiche parce que je suis prête à me faire une boule à zéro. C'est pas un problème pour moi. D'accord? Alors, et c'est aussi dangereux que le défrisage. Oh my God. Mais je le fais quand même. Parce que, en gros, putain, excusez les gros mots, mais ça sent l'ammoniaque, hein, à la vache. Ça sent l'ammoniaque. J'espère que je ne vais pas me brûler. Donc là, les enfants, je vous dis à tout à l'heure. Et avant de partir, je vais raconter une histoire. Quand j'étais jeune avec ma copine en Guadeloupe, on s'est fait les cheveux juste devant une mèche comme ça. Et après, quand c'était l'heure pour nous de faire le décide, avec de l'eau oxygénée, hein, ça craint. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait le défrisage dessus, tout ce qui était blond est sorti et cassé. On a perdu tous nos cheveux. Enfin, c'est tout moi. Elle, je ne sais pas si ça lui avait fait quelque chose, je ne me rappelle plus. Mais je me rappelle surtout moi. Toute la mèche que j'avais mis devant, c'est barré. Donc faites attention à ce que vous faites. Le médecin te dit de ne pas fumer, mais il fume. Mais écoutez quand même le médecin. Allez, à tout à l'heure les enfants. En bondas ou en moussas. Oh my God. La prochaine fois, j'irai au coiffeur. Mais coiffeur, si vous parlez, parce qu'ici, il n'y a pas de coiffeur pour me faire ça. Il n'est pas à Barbette ni à Château d'Eau. J'ai déjà donné. Oh my God! Ça sent très fort, très fort. Oh my God! Je ne devais pas mettre sur les bouts, mais là, je n'avais pas le choix. Il y a des bouts qui ont pris, mais c'est pas grave. On verra bien ce que ça va donner, mais waouh! What the fuck? Oh my God. Et là, ça commence à avoir l'effet du défrisant. Je sens que ça me brûle. Pour une tête. Oh my God. Oh my God. Je crie pas parce qu'on a une nuit dedans. Allez go. Je laisse reposer. Il reste encore du produit, mais je vais pas tout mettre. Il reste du produit dedans. Donc voilà. Je prends mes lunettes. Bon, vous avez vu le truc avant moi. J'ai de la buée. Voilà les enfants, je suis rousse. Oh my God. Ah, c'est du rousse rousse.
Donc voilà, donc le côté ça en gros un petit peu réussi ou pas réussi, je sais même pas. Ouais, réussi, on va dire. Et un petit peu de noir ici, je sais pas. Donc voilà. Voilà la tronche que j'ai. Oh my God. Oh my God. Donc ça va. Donc là, je vais me doucher. Il y a du blondasse dans l'eau, hein, dans l'air, hein, au fond. Donc là, je vais me doucher et pour essayer de faire une coupe vite fait parce que on va aller dans un repas. Regardez, ça frise les cheveux. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Là, je lave mes cheveux avec ça parce que j'ai envie de terminer ça. Pardon. Ceci. Purifiant douceur argile blanche. Et après, je vais faire un masque. J'ai de l'eau qui coule partout. Avec ça. Donc, c'est les 10 cosettes qu'il m'avait donné. Donc, je vais faire un masque avec ça juste après. Et je vous dis bye bye. Il y a de la mousse ici et de la mousse par terre. Et en même temps, je vais prendre un ben bon, ben gros, ben.